A sua atenção é bem grande, eu vou ter que olhar da minha pata. Hoje em dia, eu explico pra vocês que eu tenho fé pra gente nunca Deus não queria dizer a década perfeita. Então, com isso, essa afirmação é perfeita. Toda boa vida, na frente, eu vou viver ser a década perfeita. Viver caindo da corrupção. Caindo da corrupção, a posição de 15 segundos, então, aqui também vai começar a importar os elementos do jogo do jogo. Os elementos são bem importantes e os fins de passe. Ok, hoje é só o som que é a capa do mundo. Olha, uma fois que eu placer, je peux. Uma fois que eu placer, je peux. Modifier la taille, voilà, pour bien mettre sur l'écran. Voilà, une fois que j'ai fini mon positionnement, je clique sur effet pour ajouter l'effet. Voilà, il y a besoin de l'effet. L'effet CC-sphère. CC-sphère, voilà, qui est un effet de la perspective. Voilà, quand je clique sur le mien sur le fichier PNG, la carte audio. Et arrivé ici, je modifie la taille du sphère. Voilà. Et je vais mettre le plus en plus. Ok. Maintenant, voici l'effet. Voici les modifications qu'on peut apporter à l'effet sphère. Ok. Ici, c'est la lumière. Comme vous le voyez, ici, c'est sombre. Et ici, ouais, l'image est sombre. Voilà. C'est-à-dire ici, un peu éclairé. Et derrière, un peu sombre. Voilà, ici. Voici la lumière. La modification de la lumière. Ici, c'est pour. La partie claire, ici c'est la partie sombre, et ici la direction de la lumière, que ce soit en haut ou en bas. Voilà, ok. Donc ici, voilà, donc vous allez voir comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter aussi, parce que comme ça, ce n'est pas joli, là. Je vais ajouter un fond. Un fond qui sera comme une vidéo. Vous voyez, ça se fait un fond qui a à peu près la même couleur avec le sphère. Donc je reviens sur le film sphère, je modifie encore la couleur. Et pas la couleur, seulement plutôt le test et le sphère. Je vais tester la couleur ici et de l'ombre. Ok, je reviens sur. Ma vidéo qu'elle a fait. Voilà. Maintenant aussi, ce n'est pas joli comme ça. Je dois améliorer la rotation. Je dois améliorer une rotation à notre sphère. Voilà. La rotation, on dit aussi sur rotation. Ici, la rotation en X, c'est la rotation verticale. Et on a besoin de la rotation verticale. Horizontale. Ok, la rotation horizontale, c'est la rotation en Y. La rotation en Y, d'abord ici, le 0 signifie le nombre de tout. Ok, si j'active ici, là, la première seconde, j'active ici et je mets 5 tout. Voilà. Ici, je veux que ça se prenne ici, comme ça, par exemple, ici, j'active le nombre de degrés. Voilà. Vous voyez, ici, ça sera très rapide. Ça sera très rapide. Donc pour ça il y a besoin, je dois revenir à 0. Voilà, je reviens à 0. D'abord je vous active. Voilà, je reviens à 0 ici, j'appuie sur 0. Ok. Juste la première seconde, j'appuie sur, j'active la rotation en Y. J'active la rotation en Y et après ici, je commence à faire le nombre de rotations que je veux. Un tour, deux tours, trois tours. Voilà, c'est bon comme ça. Tout, tout, tout. Vous allez voir. Voilà, tout, tout. Ok, voilà, comme ça il y a le temps pour tourner. Ok, merde.
comme vous le constatez, la vidéo commence ici et elle ne peut pas commencer comme ça avec un sphère qui tourne comme ça. Non, non, voilà. On doit améliorer la vidéo. Pour l'améliorer, ici, le métier, je clique, je sélectionne ici le fichier PNG, le salut, le sphère, j'appuie sur P, voilà, qui est la position. Mais pour la position ne va pas nous aider puisque la position c'est A. Ok. Donc je reviens. Je clique ici, je défile ici, je vais sur l'outil transformé. Alors je clique transformer l'échelle, je vais sur l'outil transformer, transformer l'échelle. L'échelle, on remarque que l'échelle est à 178 units. Okay. Je remets à 0. J'appuie, je sélectionne, on active l'échelle. Arrivé ici, j'appuie sur. Ok. J'appuie sur 168,8. Ok. Ok. Et comme ça tenait. Voilà, mais ici, on remarque qu'il vient de manière brute. Je vais. Voilà, il suffit pour ajuster. Il suffit d'un assistant d'image privée. Assistant de vitesse. Ok. Voilà. Ok, maintenant nous allons ajouter aussi un test à notre vidéo, par exemple avec la police impact le journal 20h. Ok, le journal 20h. Voilà, lui par exemple, je vais le mettre ici. Voilà. C'est bon, qui ne pas ici. Voilà, ici, et j'ajoute l'effet. Je vais ajouter un effet transition. Voilà, puisque il va venir après. C'est l'effet transition qu'il a ajouté. Transition fondu par carreau. Après la fondu par carreau, je vais mettre 600% pour moi. Alors, si je mets 600%, je l'active. Et arrivé ici, il devient 0. Qu'on a un générique. Ok, mais ce n'est pas un côté nul. Voilà. Je vais aussi mettre un effet. Voilà, l'effet tout d'abord. Avant cet effet là, cet effet, on appelle cet effet l'effet loop. Voilà, mais avant de le mettre, je dois créer un cadre d'effet. Voilà, pour créer un cadre d'effet, je vais faire clic droit ici, créer cadre d'effet, ou je vais ici, je clique sur cadre, créer et cadre d'effet. Voici le cadre d'effet. Je viens ici et je cherche l'effet loop. Maintenant qu'il y a l'effet loop, je glisse sur le cadre d'effet. Ok. L'effet loop se trouve ici. Vous voyez. Voilà, c'est une loop. Ok. Je vais agrandir le loop. Bon, ici la taille, je vous mets au moins 1080. Voilà, 1080. Voilà. Je vais zoomer d'abord. Ah, ça c'est la loupe. Je vais zoomer. Ici, 7 lumens carrés. Ok. Je mets à 1080. Voilà. Il est carré. Comme vous voyez. Ok, je vais continuer la taille. Voilà. Maintenant, ici, on commencera ici. Ok, pour ça il y a besoin de l'outil, il y a besoin de la position. Ok, la position, tu cliques ici une fois, on appuie sur P. Ok, la position, je veux qu'il commence ici, comme ça, ici par exemple. Voilà, et tu cliques la position. J'active la position dedans. Voilà. Je
je saute 2 secondes, arrive ici, je change de position. Okay. En sautant 2 secondes ici, encore, je change de position. Et aussi, je vais dupliquer le calque. En dupliquant le calque, je vais inverser le calque. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, vous voyez que quand il reste le calque, il n'est pas bien positionné. Ok, donc c'est à moins de bien gérer ça. Donc je reviens en inversant ici, je peux. Je reviens. Voilà, je trouve que l'inversion de calque n'est pas une bonne méthode. Donc je me suis. Sur la géométrie et je clique sur basculer horizontalement. Voilà, parce que horizontalement ici on a changé le cac. Voilà. C'est-à-dire nous avons plein d'effets. Voilà. On peut basculer horizontalement comme basculer. Comme faire l'instant, venir ici, faire sur l'instant, venir ici, venir sur la position, et faire tout droit plutôt, venir sur l'instant et inverser le cap. On a mis ici, inverser le cap. Ok, maintenant je choisis la position. Maintenant que nous avons fini la vidéo, je vais essayer d'ajouter un son qui pourra améliorer la vidéo. Maintenant que j'ai mis un son, on va voir qu'est-ce que ça va donner à la vidéo. Ok, cela je vais enlever le son du fond. Ok. Ok, c'est ce, merci beaucoup de m'avoir suivi le tutoriel et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.